Chers auditeurs, bonsoir, merci de nous retrouver sur Classique FM. Nous sommes en direct sur l'application Stéréo, il est 18h tout pile. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre série incontournable, Un jour, un compositeur. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir quelqu'un qui connaît la musique classique comme sa poche. Oui. Daniel, je vous laisse vous présenter auprès de nos auditeurs. Alors, je m'appelle Daniel. Voilà, je suis moi, quoi. Alors aujourd'hui, cher Daniel, nous allons aborder un compositeur qui fait figure d'idole à vos yeux. J'ai nommé Chopin. Frédéric Chopin ? Frédéric Chopin, tout à fait. Ah, j'adore. D'abord, où est-ce qu'il est né, Daniel Chopin ? Revenons à sa plus tendre enfance. Alors là, je sais très bien où il est. Il est né en Pologne. Tout à fait, Daniel. Comme une amie à moi qui est polonaise, c'est une très bonne cuisinière. On bat les couilles. On bat les couilles. Il est né en Pologne, mais en quelle année, Daniel ? Je crois qu'il est né... Donc, Daniel, Frédéric Chopin, il a joué son premier concert à 8 ans. Ah ! Qu'est-ce que vous faisiez, vous, Daniel, à 8 ans ? Eh ben, on jouait au cow-boy. Vous ne faisiez pas d'un instrument, des choses un peu moins puériles ? Oh non, non, non ! Daniel, revenons à Frédéric Chopin. Ouais. C'était un enfant prodige. Ah ouais. Ah ouais, il était prodige. Le plus grand prodige du siècle, quoi. Quel siècle, Daniel, du coup ? C'est pas une question piège, hein. Je sais que vous savez la réponse. 19e siècle. Ah oui, 19e siècle. Vous le saviez. C'était juste un petit trou de mémoire, passons. Ça peut arriver à tout le monde, d'autant que vous n'êtes plus toute jeune. Dans 4 ans, elle aura 70 ans. Ah ! Pardon, excusez-moi. Saviez-vous qu'à 15 ans, il avait reçu un titre ? Un Oscar, je crois. Alors, les Oscars n'existaient pas à cette époque, Daniel. Je crois qu'il avait reçu un violon ou un piano. Pas du tout, Daniel, puisque Frédéric Chopin avait reçu le titre de premier pianiste de la ville de Varsovie. Ah ! Un piano. Alors c'est un titre qu'il a reçu, c'est pas vraiment un piano, mais... Oh, mais c'était du piano quand même. Varsovie qui est situé dans quel pays, Daniel ? Bah en Russie, quoi. Pas du tout. Ah bon ? Oh, mais en Pologne ? En Pologne ! C'était un peu un précurseur de cette période que nous, fans de musique classique, adorons. Quelle période, Daniel ? La période romantique ! Ah ouais ! La période romantique, vous le saviez ? Pas du tout. Quelle est l'œuvre qui vous a le plus marqué de Frédéric Chopin ? Ben, c'était un bel homme. Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout la question que je vous ai posée. Ah bon ? Excusez-moi, je peux entendre la question. Je vous ai tout simplement demandé quelle est l'œuvre qui vous a le plus marqué de Frédéric Chopin. Si je vous dis comme ça au hasard les 17 valses, les 21 nocturnes pour piano... C'est pas... Je connais pas... La deuxième et troisième sonate ? Sonate, c'est... Do, ré, mi. C'est pas ça? C'est l'heure de marquer une petite pause sur Classique FM. On se retrouve en direct sur l'application Stéréo dans quelques minutes après une courte page de pub. A tout de suite. Madame? Oui? Vous connaissez vraiment Chopin? Ah si, je connais le compositeur Chopin, mais après tant d'années, je me rappelle plus. Oui, mais là, on vous a invité en tant qu'experte de la musique classique. Vous m'avez pas dit ça, vous m'avez dit, vous venez parce qu'on est content de vous voir. Pas du tout. Ah bon ? C'est un peu délicat par rapport à nos auditeurs qui attendent quand même sur Classique FM un gage de qualité. Mais ne me grondez pas, hein ! Les amis, vous êtes de retour sur Classique FM en direct sur l'application Stéréo, que vous pouvez d'ailleurs télécharger dans le lien de la description. On évoque Chopin, donc qui de mieux pour parler de Chopin que vous ? Nous avons des questions d'auditeurs pour vous, Daniel, on va les écouter tout de suite. Oui. Salut Daniel, moi je me demandais ce que tu pensais de Tchaïkovski et de son concerto pour piano numéro 1. Ah très bien, c'était super. J'ai bien aimé. Vous l'avez vraiment écouté ? Oui. Prochaine question, Daniel. Oui. Je voulais poser une petite question à Daniel. Daniel, c'est quoi ton morceau préféré de Chopin ? Bonne question, Daniel. Votre morceau préféré de Chopin, on en a cité 5 avant la pub. Les 7 trucs, là. Les 7 trucs. Je sais pas. Les 4 balades pour piano, vous voulez dire ? Ah, voilà.
Ah bah c'était un gros génie, hein. Chopin était quelqu'un de très sensible. Ah oui. Mais surtout de très très timide. Très timide. Il avait peur. Enfin, vous le savez, Il avait peur des femmes, je pense. On a une petite question d'un auditeur, Daniel. J'aimerais savoir, Daniel, quel instrument Chopin jouait-il ? Le piano ? Mais non. Le violon ? Le triangle ? Mais il jouait pas comme ça, Chopin. Mais si, il a fait toutes ses symphonies au triangle. Ah bon ? Première nouvelle. La vraie question est-ce que Chopin avait réussi à choper à l'époque ? Ah, là, ça me revient. Il a eu une relation avec George Sand. Si je me trompe pas. Daniel, je vous soupçonne, Daniel, d'avoir regardé mes notes. Ah, pas du tout. Chopin, Daniel, a dû quitter son pays natal, la Pologne, en 1930, pour venir... En France. En France, tout à fait, il arrive à Paris. Oh. Il est tout de suite émerveillé par cette ville. Racontez-nous un peu ses premiers jours à Paris. Je sais pas. Je pense qu'il était à la Tour Eiffel. Chopin à la Tour Eiffel ? Oui. Il a dû voir le général de Gaulle, là, peut-être. En 1800... Ah bah non, 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 c'est pas possible. Il était pendu déjà, général de Gaulle. Ben ouais, logique. Donc Daniel, vous en parliez tout à l'heure, hein, de cette relation qu'il a eue... Avec George Sand. Avec George Sand, célèbre romancière. En quelle année ça a commencé leur relation ? En 1884. Pourtant, il me semble que Chopin est mort en 1849. Ah bon, il est mort ? Je sais qu'il est mort. Ils se sont donc rencontrés en 1838. Ah, j'étais pas loin. Donc Daniel, Chopin était un homme à la santé très fragile. Ah ouais. Il est passé par beaucoup d'étapes difficiles. Hein. Ah ouais. Il a connu les maladies pulmonaires. Ah ouais, ça c'est pas bien ça. En 1847, Daniel, qu'est-ce qui se passe justement ? Justement, il est mort. Ah non. Ah bon ? George Sand le quitte. Ça l'a attristé. Hein. Ça l'a miné. Ah ouais, ouais. Vous avez connu vous-même, Daniel, des peines d'amour ? Oui. Son état de santé se dégrade et... Et il est mort. En quelle année ? Je sais pas, moi. Aidez-moi un peu. Là, j'évoque la mort de... Frédéric Chopin et... Et toute cette émotion qui monte en moi, là. Le 17. J'arrive même pas à lire la date. 1847. Mais non, vous savez même pas lire. Le 17 octobre 1849. Le 17 octobre 1849. Frédéric Chopin décède à 39 ans, Daniel. Oh, c'était jeune. Quelle tristesse. Et vous savez d'ailleurs où il est enterré. J'imagine que vous allez vous recueillir sur sa tombe plusieurs fois par semaine. Au Père Lachaise. Ça, tu l'as lu. Mesdames, messieurs, merci. Merci. D'avoir écouté notre émission Un jour, un compositeur en direct sur l'application Stéréo. N'hésitez pas à la télécharger d'ailleurs via le lien dans la description pour écouter toutes nos précédentes émissions. Voilà. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée et ciao, ciao. À bientôt sur Classique FM. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao, ciao.